Un ancien bouddhiste visite l'enfer. Shalom. Au cours de l'année 1990, le frère Kuala Lumpur de Malaisie visita l'enfer, le séjour des morts, par la puissance de Dieu qui nous est montré dans un Samuel 2, 6, l'éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Avant de se convertir en Jésus Christ, il fut bouddhiste. Écoutez ce témoignage avec un cœur disposé pour découvrir combien Jésus-Christ qui est le Dieu véritable vous aime et désire que vous soyez sauvés pour le ciel en vivant non selon le monde, mais selon lui. Comme ce témoignage est centré dans la parole de Dieu, il ne manquera pas à vous transformer si vous appartenez réellement à Dieu, car Jésus a dit ceci dans Jean 8, 47, Celui qui appartient à Dieu, écoute les paroles de Dieu. Début du témoignage. Je suis né dans une famille bouddhiste et je suis très discipliné dans les valeurs de la vie. À 18 ans, je vivais seul parce que j'avais un travail. Je me suis consacré à la lecture de nombreux livres. Un jour, j'ai vu un livre dans la vitrine intitulé La révélation divine des l'enfer de la sœur Catherine Baxter. Dans la culture bouddhiste, on ne parle pas de l'enfer. Ce livre a attiré mon attention. J'ai acheté ce livre pour qu'il fasse partie de ma collection. C'était le seul livre évangélique que j'avais. En commençant à lire ce livre, j'eus peur. Quelque chose dans mon cœur a dit que l'enfer est réel, Luc 16, 19 à 31. Je me suis senti très repentant pour mes péchés. Quand quelqu'un m'a parlé de Dieu, le nom de Bouddha m'est venu à l'esprit. Mais après avoir fini de lire le livre, je finis par croire en Jésus-Christ, Romains 10, 17. Je n'ai jamais été dans une église auparavant. Il est très rare de trouver dans mon pays une église ouverte car il est dominé par l'islam et le bouddhisme. J'ai découvert que la vie et la paix sont dans la voie de Jésus-Christ, Jean 14, 27, 1 Jean 5, 20 à 21. La vie de liberté que les jeunes ont en Malaisie est un poison pour leurs âmes. Cela provoque la mort spirituelle. Un grand vide les fait perdre le sens de la vie, la vie c'est Jésus-Christ. Celui qui n'a pas Jésus perd la source de la vie, Jean 4, 14. Celui qui quitte ce chemin a déjà perdu la vie et entre dans une phase des tourments et des tribulations de l'âme. Il n'y a pas de paix en dehors de Jésus-Christ, seulement de l'incertitude et la fausse apparence du monde. Le découragement de la vie est entré dans mon cœur à cause des difficultés que j'avais à vivre seul. Je pensais à des choses mauvaises pour que je consomme de la drogue et que je bois de l'alcool. Mais ce livre, la révélation divine des l'enfer, m'a donné de l'espoir, Colossiens 5. Je n'avais pas de Bible, mais les paroles de ce livre ont eu un effet dans mon cœur et ont pénétré le fond de mon âme, Hébreux 4, 12. Le mur des mauvais désirs est tombé ouvrant une fissure dans mon cœur. J'ai fait la première prière et l'effet de la présence de Dieu était fortement manifesté. Je ne savais pas comment prier pour la première fois. Je me suis agenouillé devant le Dieu, Jésus Christ, que mon peuple n'a pas accepté, mais c'est le seul qui soit vrai. 1 Jean 5, 20 à 21. Après la prière, j'ai donné ma vie à Jésus et je me suis endormi. J'ai eu la première révélation dans un rêve. Jésus a commencé à me parler dans un rêve et à transmettre sa révélation, Job 33, 14 à 18. Dans le rêve, j'étais dans un endroit sombre où il n'y avait pas de lumière. Une voix du ciel me dit, cet endroit est le pays qui n'a pas Jésus. J'ai traversé cet endroit et je n'ai rien trouvé, je n'entendais que le rugissement d'un lion. Moi. J'étais désespéré de ne pas pouvoir marcher car il n'y avait pas de lumière et je ne pouvais rien voir. Le lion qui rugissait a sauté sur moi et m'a griffé le bras. Un pierre 5, 8. Le lion n'était pas comme celui de l'Afrique. Le lion était noir et se trouvait dans le noir. Je ne pouvais voir que ses yeux. Une force plus grande empêchait que ce lion puisse me déchirer. Tout ce que ce lion pouvait faire était comme s'il me grattait. J'ai marché dans ces ténèbres. J'ai trébuché et je suis tombé à terre. Je me suis levé et j'ai continué à marcher à la recherche de la lumière. Je cherchais un endroit où il y a de la lumière pour se cacher pour être à l'abri du lion. Étant dans ces ténèbres, je ne pouvais pas voir et je ne savais pas d'où venaient les attaques de ce lion. C'était impossible que ce lion me tue parce que Jésus me protégeait, Romains 8, 31. Étant à cet endroit, j'étais sans défense et exposé aux attaques de ce lion. Un moment, je suis sorti de cette obscurité et je suis entré dans un endroit où il y avait de la lumière. Dans cette clarté, je pouvais voir parfaitement la bête qui était là, près de moi. Ce n'était pas le lion que je pensais rugir. Dans l'obscurité, je ne pouvais pas entendre, je ne pouvais pas voir clairement qu'elle était vraiment une bête. C'était un tigre noir à deux têtes qui avait un venin de serpent. Ce lieu de lumière m'avait révélé qui était la bête qui m'attaquait sans s'arrêter. La lumière de Dieu ouvre nos yeux spirituels pour nous permettre de voir notre ennemi vraiment, Ephésiens 18, la lumière nous permet de voir le mal caché dans les ténèbres, Jean 3, 20. Quand cette bête s'est rendue compte que je pouvais la voir facilement et que ses plans ne pouvaient plus être cachés, elle voulut me dévorer. Elle sauta vers moi avec l'intention de me dévorer vivant, mais cette fois-là, j'avais réussi à esquiver ses griffes car je n'étais plus dans cet endroit sombre qui m'empêchait de la voir. Lorsque la lumière de Dieu ouvre mes yeux, le diable devient furieux et tente de me tuer. Mais quiconque est à la lumière est vigilant contre les attaques de Satan. La bête a insisté à me faire du mal jusqu'à ce qu'une épée apparaisse près de moi, Éphésiens 6, 17. J'étais fatigué de fuir cette bête, puis j'ai pris l'épée pour combattre le diable car fuir ses difficultés n'est pas la solution. La Bible dit, résistez au diable et il va fuir loin de vous, Jacques 4, 7, celui qui doit fuir n'est pas vous, mais le diable. Je ne pouvais vivre pour fuir éternellement et avec courage. Comme David, j'ai affronté le diable. Cette épée qui m'est apparue m'a motivé à me battre. J'ai combattu cette bête et j'ai réussi à lui donner un coup mortel qui l'a fait mourir, Apocalypse 11, 12. Cette épée est la parole de Dieu que nous utilisons pour vaincre le diable. Je me suis débarrassé de cette bête et j'ai continué mon chemin. En me réveillant le matin, je n'ai pas compris le sens parce que je n'étais pas un chrétien spirituel, 1 Corinthiens 2, 14. Aujourd'hui, je comprends que le monde obscur était mon ancienne façon de marcher, cette bête était un diable qui opprimait ma vie. Le lieu de lumière que j'avais trouvé est la voix de Jésus, Jean 8, 12, et l'épée qui m'est apparue était la Bible qu'un missionnaire du Danemark m'avait apportée. Mon combat avec la bête symbolisait le combat spirituel que j'avais, Éphésiens 6, 11 à 17. Plus tard, le démon se manifesta dans mon père qui était bouddhiste pour le pousser de me tuer. J'ai chassé ce démon et j'ai gagné son âme pour Jésus. J'ai gagné les âmes des jeunes se trouvant dans mon village. Une forte persécution s'est produite contre moi dans le village, 2 Timothée 3, 12, mais elle fut calmée plus tard. Tout cela a été mon combat avec la bête. Dans le rêve, j'ai vaincu la bête et tous ceux qui me persécutaient. Le chrétien qui est venu du Danemark m'a donné une Bible anglaise. Je l'ai traduite dans ma langue au travers de l'Internet et j'ai rédigé une deuxième. Le diable m'a dérangé parce que j'étais le seul chrétien du village. J'étais le danger de ses plans. Il voulait me détruire pour que je ne puisse pas multiplier fortement le nombre des chrétiens. Satan marche comme un lion rugissant. Celui qui se détourne de la lumière s'approche des ténèbres. Ce sont ceux qui se détournent de Jésus et s'approchent du monde, Jacques 4, 4. Celui qui se détourne de la vérité s'approche de la chute et tombe dans la profondeur de l'abîme où il n'y a pas de lumière de Jésus. Je me suis approché de Jésus et sa lumière a brillé sur moi, Jacques 4, 8. J'ai commencé à prier et à méditer chaque verset, la parole de Dieu m'a construit petit à petit. C'est seulement ainsi que j'ai pu échapper au lion noir qui cherchait une proie facile. Les démons rugissent autour de ceux qui sont dans les ténèbres. Plus tard, le missionnaire qui m'avait donné la Bible m'amena dans son pays. Dans mon pays, il existe des millions de livres bouddhistes et les conditions pour enseigner l'évangile ne sont pas stables. Je voyageais avec ce frère pour apprendre davantage sur la parole de Dieu. Je priais et absorbais la parole de Dieu. Jésus a brisé les barrières de ma vie et m'a vaincu. J'étais au Danemark en train de travailler avec le missionnaire. Mon ravissement en enfer. Un jour, je venais de la prière évangélique et il était 17 heures. La tête me faisait très mal, je me suis endormi profondément. Une heure plus tard, j'étais debout et j'ai vu mon corps se coucher, Job 32, 8. Les ténèbres ont commencé à marcher vers moi et ont envahi la maison. Un tunnel noir fermé a apparu devant moi. Ce tunnel s'est ouvert et une force diabolique m'a entraîné à l'intérieur. Cet endroit se moulait. Il ressemblait à un placenta et avait la forme d'un cercle parfait. Ce placenta avait la vie et elle se nourrissait des âmes. Un monstre hideux avec une apparence dégoûtante me dit, j'ai un ordre provenant de Dieu. Cet ordre consiste à ne pas te faire du mal, cet ordre consiste à te montrer comment les lois sont ici en enfer pour toutes les âmes humaines qui s'y trouvent. Bien aimé, comme la Bible nous montre dans Hébreu 12, 9 que Dieu est le Père de tous les esprits, il a ordonné au monstre de faire expliquer les choses se trouvant en enfer à ce frère. Dans Job 1, 6 à 12, Dieu avait aussi ordonné à Satan de ne pas porter la main sur son serviteur Job, mais seulement de toucher tout ce qui lui appartenait. Le monstre m'a amené à divers endroits en enfer. J'avais trop peur d'être avec lui. Ce monstre avait un grand œil sur son front, son corps était rempli d'yeux qui gardaient cet endroit. Il a des oreilles sur le dos et sur les épaules. Un de ses yeux sur son dos me fit un clin d'œil. Il a des nez éparpillés partout sur le corps, ses nez faisaient sortir des sécrétions. Ce monstre puait beaucoup. Nous sommes entrés dans une chambre de l'enfer qui fait partie de la maison des tortures. Le monstre me dit, voici tous ceux qui ont eu des mauvaises pensées lorsqu'ils étaient sur terre. Ils n'ont pas cessé de penser au mal et alors ils sont morts dans le péché. Proverbe 16, 301 Timothée 2, 8. Les démons torturant les âmes qui s'y trouvaient. Le monstre m'a amené dans la deuxième chambre où les démons torturaient des âmes perdues avec du fer chaud. Il perçait les yeux des gens qui regardaient les films pornographiques pendant leur vie sur la terre. Psaume 101, 3. Le monstre a déclaré, Ces personnes sont celles qui regardent du contenu pornographique sur la télévision, sur des sites web, des magazines et des livres. Le monstre me regarda et dit. Tes yeux sont mauvais. Là-bas sur la terre, tu as regardé des femmes qui s'habillent d'une manière impudique, d'une manière sexy. Psaume 101, 3, 1 Jean 2, 16. Si tu ne crucifies pas tes mauvais yeux, quand tu mourras, tu seras dans cette chambre de l'enfer et tes yeux seront transpercés pour l'éternité. Colossiens 3, 5. Quand le monstre m'avait dit ces choses, j'avais très peur. Le monstre m'a amené dans une autre chambre de l'enfer. Il a dit, tout le monde dans cette salle a utilisé leurs oreilles pour entendre notre voix et a fait tout ce que nous leur avons dit. Ils ont également entendu notre évangile et a fait notre volonté. Les démons ont percé les oreilles des gens puis ils les ont arrachés, ils ont saisi les oreilles des gens et ils les ont fait frire. Le monstre a dit, ces gens, sur terre, écoutez des chansons qui ne sont pas chrétiennes, Colossiens 3, 16, regarde aussi les chrétiens qui écoutent nos chansons. Toutes les chansons qui louent le monde, l'argent, les femmes et les richesses sont les nôtres, 1 Chronique 16, 8. Toutes les chansons qui ne louent pas Dieu nous appartiennent. Les démons introduisirent un fer terriblement chauffé dans les oreilles des gens qui passaient de l'autre côté. Le monstre m'a amené dans la quatrième chambre de l'enfer. Là, il y a tous les jeux pour adultes et enfants, les échecs, la dame, les dominos, les jeux des machines et les maisons de loterie. Les personnes qui sont torturées dans cet endroit sont accros au jeu, 1 Corinthiens 10, 7. 1 Corinthiens 7, 35 J'ai vu des enfants accros au jeu dans cette pièce. Les démons coupent les mains des gens qui sont attachés extrêmement au jeu, bien-aimés, dans 1 Corinthiens 10, 7 et 1 Corinthiens 7, 35, la parole de Dieu nous montre que Dieu n'aime pas les divertissements et la distraction. Il veut que nous fassions toute chose pour sa gloire 1 Corinthiens 10, 31, le monstre me dit, il y a des chrétiens accros à nos jeux de divertissement. Certains d'entre eux ont dépensé leur argent sur les paris. Le monstre m'a amené dans la cinquième chambre. Là, j'ai vu les cœurs des humains qui ont gardé les désirs et les pensées pécheresses. Le monstre me dit, lorsque tu vas retourner sur la terre, ne garde rien de mauvais dans ton cœur de peur de venir ici. Hébreux 3, 12, Hébreux 10, 22, dans cette pièce, les gens n'avaient pas de cœur, à la place du cœur, il y avait un trou vide. Le monstre m'a amené dans la sixième chambre. C'est une salle des danses qui ressemblait à une salle d'exposition. La réalité est que le spectacle dans cette pièce ne ressemble pas à celui du monde. Toutes les personnes ont été forcées de danser sur des braises embrasées de feu. Le sang coulait à chaque pas, les gens qui dansent des chansons profanes vont en enfer. Nous sommes appelés à danser pour Dieu, et non pour le monde. Psaume 10, 4. Les ivrognes étaient assis sur les chaises qui les emprisonnaient, ils étaient obligés de boire de l'acide qui faisait fondre leur gorge, ceux qui boivent de l'alcool sur terre sont punis en enfer de cette manière. La parole de Dieu défend de boire l'alcool dans Proverbes 23, 29 à 35. Toutes les marques de boissons alcoolisées se trouvent en enfer. Le monstre m'a amené dans la septième chambre. C'est comme une maison où se pratique la prostitution. Là, les démons forcent les hommes, les femmes et les efféminés à avoir des relations sexuelles avec eux. Tout ce qu'ils ont fait sur terre, leur est imputé en enfer par les démons, c'est le lieu où se trouvent les impudiques. Apocalypse 21, 8. Le monstre m'a amené dans la huitième chambre. Il y a tous les jeunes qui sont punis pour avoir désobéi à leurs parents. Les démons avaient des fouets enflammés et ils fouettaient ces adolescents. Le monstre me dit, ces garçons n'ont pas obéi à leurs parents. Ils n'ont pas accepté leur autorité, ils n'ont pas compris leurs parents et ont répliqué, Éphésiens. 6.1. Le monstre m'a amené dans la neuvième chambre. Dans cette chambre, les magiciens et les illusionnistes sont torturés, Deutéronome 18, 10 à 12. Le monstre m'a amené dans la dixième chambre. Il y a tous les hommes qui ont été trompés par les livres, les magazines et les journaux. Dans cette salle se trouve un kiosque à journaux. Le monstre a dit, notre mensonge est dispersé au travers des marchands des journaux sur la terre. Tous ceux qui achètent ces matériaux perdent leur temps, ils se distraient au lieu de lire la Bible, nous créons ces choses pour les distraire et perdre leur temps, regardez les mensonges des romans dans les magazines. Les journaux sont un mensonge à vendre. Les magazines font des annonces incitant les hommes à voir le prochain chapitre des romans, des bandes dessinées. 1 Corinthiens 7, 35. Le monstre m'a amené dans la onzième chambre. À ma grande surprise, il n'y avait que des enfants de 5 à 10 ans. Tous les enfants dans ce lieu étaient tourmentés. Les têtes de ces enfants dégageaient du feu et de la fumée. Le monstre m'a montré des bandes dessinées. Le monstre a déclaré, les habitants de la Terre considéraient ces bandes dessinées comme inoffensives, mais c'est dans ces bandes dessinées que se trouvent nos doctrines. Nous avons gagné beaucoup d'enfants à travers les bandes dessinées et des dessins animés, Psaume 103, 3. Dans cette pièce, il y avait des jouets comme des poupées, des super-héros en plastique et des poupées-femmes. Ces jouets avaient l'air d'être vivants. C'est comme s'ils étaient possédés, ils riaient. Le monstre dit, voici l'idolâtrie des enfants que nous implantons à l'intérieur des maisons sur terre. Le monstre m'a amené dans la douxième chambre. Là, il y a tous les artistes qui font tous les jeux de combat, les karatékas, les boxeurs, les catcheurs, les judokas. C'était comme un lieu de combat, un ring. Les démons ont joué les combats dans cette pièce avec ces gens en disant, Luttons !» Les démons les ont frappés en volant, titre 3, 2. Les démons ont torturé les combattants en samouraï, ils ont été abattus par des démons à l'aide d'épées. Les démons leur coupaient la tête, les jambes, les bras. Le feu coulait du sol de cette chambre et brûlait leur corps. L'acteur des films Bruce Lee dans Enfer Le monstre m'a fait sortir de la maison de terreur, nous avons commencé à traverser l'enfer. Le monstre dit, je pars te montrer une vieille idole que tu aimais beaucoup. Il m'a amené à un endroit où j'ai vu le combattant Bruce Lee. C'était mon acteur préféré. L'un des plus grands instructeurs d'arts martiaux de son temps. Avant ma conversion, je regardais ses films. Je l'aimais beaucoup. S'il était en vie, j'allais le rencontrer. Quand il est mort, je n'avais qu'un an. Je savais que je ne pouvais jamais le rencontrer car il n'était plus en vie. Mais dans mon ravissement en enfer, j'ai rencontré Bruce Lee. Je l'ai vu dans une profonde tristesse. Il est dans ce lieu des tourments depuis des années. J'ai dit au monstre, pourquoi il n'est pas dans la salle des tortures des combattants Le monstre me répondit, il était très célèbre, il ne pouvait pas rester là-bas. C'est pourquoi il a été jeté dans un lieu où se trouvent les personnes qui furent célèbres sur Terre. Là en Enfer, lorsque je me suis approché de lui, il me demanda de l'aide pour sortir de cet endroit parce qu'il ne pouvait pas supporter les souffrances qu'il endurait. Les démons sont venus et ont commencé à le torturer. Les démons se moquaient de lui en disant, Prouve-nous si tu peux nous vaincre en montrant tes coups. Tu es le roi du combat. Un de ces démons a dit à Bruce Lee, je t'avais rendu capable de ne pas perdre le combat et tu pensais être une personne qu'on ne pouvait jamais vaincre. Sans moi, tu ne pourrais jamais faire tous les mouvements du Kung Fu, c'est-à-dire le karatéka. Je te faisais sauter très haut. Ce démon a commencé à frapper Bruce Lee et l'a projeté dans les airs jusqu'à ce qu'il se brise les os avec plusieurs coups de pied. Bruce Lee était étendu sur le sol en gémissant des douleurs et les flammes quittaient le sol et brûlaient son corps, titre 3 2. Avant ma conversion, je l'aimais bien. Ici en Asie, il est normal d'avoir Bruce Lee comme idole. Les arts martiaux font partie de notre culture. Le monstre me dit, tous les gens qui pratiquent les arts martiaux nous appartiennent, ceux qui font des méditations sur Bouddha, ceux qui aiment le Bouddha vont en enfer. Le monstre continua à me dire, si cela dépendait de moi, je ne pourrais jamais te laisser révéler nos œuvres sur terre. J'étais obligé, par Dieu qui est le Maître de tous les esprits selon Hébreu 12, 9, de te raconter nos plans. Raconte maintenant tout cela aux chrétiens qui sont sur terre. Beaucoup d'âmes se trouvant dans votre pays seront sauvées grâce à ces révélations. 2 Corinthiens 12, 1. 1 Corinthiens 14, 26, le monstre est parti en étant extrêmement en colère, le feu lui sortait du nez, ce monstre était tellement en colère parce qu'il avait révélé des choses que beaucoup d'hommes sur la terre ne savent pas et par lesquelles les gens vont en enfer. Ce démon l'avait fait parce que c'était un ordre que le Dieu suprême lui avait donné. Mon retour sur terre. Un ange du Seigneur est venu pour me sauver, Hébreu 1, 13 à 14. Il est descendu en enfer et m'a fait sortir de là. Je n'avais jamais vu un ange. J'étais émerveillé par la lumière qui sortait de son corps. L'ange a pris mon âme pour le faire retourner dans ma maison sur la terre. Je suis au Danemark en train de travailler avec le missionnaire. Je crois un jour retourner dans mon pays, là. Malaisie est lutter contre le bouddhisme. Le bouddhisme prêche qu'il n'y a pas de Dieu absolu alors que Jésus-Christ est le Dieu absolu, Ephésiens 22 à 23. Le bouddhisme croit que l'homme n'a aucune valeur et croit à la réincarnation. Un homme a de la valeur pour Jésus-Christ, Matthieu 16, 26. La réincarnation n'existe pas, Hébreu 9, 27. Personne ne revient plus sur terre. Quand les gens meurent, ils vont soit au paradis, soit en enfer. Le bouddhisme enseigne que la force de l'univers éclaire l'homme au salut, Jésus-Christ est le seul qui sauve, Romains 10, 13. Bien-aimé, le Seigneur vous aime. Ne rejetez pas cette grâce qu'il vous tend. Le salaire du péché c'est la mort, Romains 6, 23. Et la parole de Dieu nous montre dans 1 Jean 4, 3 que le péché c'est la transgression de la loi. Nous devons obéir à tout ce qui est écrit dans la Bible, Jacques 2, 10. L'enfer ou le séjour des morts n'est pas de la blague, c'est pour l'éternité, c'est la colère de Dieu, Hébreux 12, 28 à 29. Le paradis est réel. C'est la place que Dieu a créée pour toi. Pour entrer au paradis, il faut une seule chose, la sanctification. C'est pourquoi la Parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, 14 Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, Matthieu 23, 26, Dieu nous montre que la sanctification doit être intérieure et extérieure. Mets ta vie en ordre. Il ne faut pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si tu ne crois pas encore en Jésus, sache que c'est lui le véritable Dieu et Sauveur. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé en obéissant à sa parole, en marchant dans la sanctification. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que nous vous écrivons est un commandement du Seigneur. Amen.